Quel grand jour! Quel grand jour, quel grand événement! Notre colloque des femmes, c'est un événement que les femmes ne doivent pas rater. Comme je suis quelqu'un qui organise à chaque année ce grand événement, j'ai eu cette possibilité, cette grâce. C'est un événement qui pousse les femmes à devenir des femmes de stratégie. Des femmes qui vont se lancer dans le monde des affaires. Des femmes qui vont se lancer sur le terrain. Parce que des fois, nous sommes tellement fermés que nous n'arrivons pas à franchir les limites. Mais cette colloque nous interpelle et cette colloque nous ouvre aussi les yeux pour que nous puissions nous lever, nous les femmes, pour que nous soyons debout, surtout dans les affaires, surtout à devenir un entrepreneur, à participer dans des grands événements, à présenter de grandes choses et à même, ça nous interpelle aussi à rechercher en nous les dons que Dieu a mis. Parce qu'il y a des femmes, peut-être que tu as le don de cuisine, tu as le don de couture, tu as le don de faire du mannequinat, tu as le don de journalisme. Dieu, cette colloque nous interpelle, cette colloque vient ouvrir les yeux des femmes. C'est-à-dire une femme qui veut savoir qu'est-ce que j'ai en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux élargir mes limites? Comment je peux avoir des ouvertures? Tu dois venir dans cette colloque des femmes et ça va t'aider. Nous faisons cette activité à chaque année et toujours, nous avons des femmes qui viennent nous parler comment nous devons gérer, nos entreprises, comment nous devons foncer dans les affaires. Et je peux dire que cette colloque est venue pour qu'une femme se découvre. Alors, tu ne peux pas rester chez toi. Viens te découvrir. Comme ça, tu vas voir des portes qui vont s'ouvrir devant toi et aussi des ouvertures.